Hello tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui, on se retrouve sur Monster Hunter World. Oh, je sais un personnage. Oh, lui me ressemble déjà. Oh oui, je vais être le mâle dominant. Oh, lui me ressemble aussi. Oh, lui, il est parfait. Est-ce que lui me ressemble pas? Ouais, je sais, c'est un air de famille, je sais. Larry, la petite tête. Oh, c'est tellement parfait. Pourquoi j'ai designé un chat? Ok, je veux ce chat-là. Il est tellement bien. On va prendre lui. Il faut aussi lui donner un nom. Il s'appelle un palico. C'est comme un pélican, mais sauf que là, c'est un chat. On va l'appeler Timmy. Timmy, c'est un bon nom pour un palico. Moi, on dirait que genre, j'ai des vêtements de femme et qui sont beaucoup, beaucoup trop petits pour moi. Et le chat, on dirait qu'il a des vêtements genre trop bien à sa taille. Alors que c'est un putain de chat et d'où il marche? Ok, c'est parti. Fuck, c'est trop cool! Oh! Allez, c'est parti. Voyons voir la carte. Oh! Ça a craché. Selon les témoins, notre cible, le grand Jagras, a été aperçu dans les environs. Voyons voir la carte. Allez, c'est parti, voyons la carte. Ok. La carte. Ok, donc on est juste là. On doit se trouver par ici. Merci. Merci beaucoup pour ton aide. Clairement, ce jeu, pour ceux qui connaissent. Il y a Timmy! Notre meilleur personnage. Donc pour ceux qui connaissent réellement pas le jeu, en gros c'est un jeu là où on va devoir combattre des gros monstres. Et ouais, et là je me suis appelé Larry la petite. À vous de choisir la fin. La petite tête, la petite bête, la petite bite. Alors je vous préviens direct, on va y aller en complet mode freestyle. Parce que c'est la toute première fois que je joue au jeu. Est-ce que Palico va me suivre? Timmy! Timmy, faut que tu me suives. T'es un putain de Palico. Pourquoi t'as une pelle? Tu veux déjà creuser ma tombe alors qu'on a même pas commencé? Laissez votre Palico. Non. Tu viens avec moi à la chasse. Et qui va à la chasse perd sa place. Donc si tu viens pas, bah t'es mort. Alors on m'a dit qu'il fallait suivre les lucioles. Est-ce que c'est lui que je vais attaquer? Oh, il a clairement une tête à se faire attaquer. Ah mais il y a deux. J'ai pas trop envie de m'en approcher. C'est des monstres et moi je suis pas très monstrueux dans ce jeu. Faut renifler les empreintes. Bon après j'ai dit que je reniflais mais j'ai le nez bouché. Je suis le pire chasseur. Un chasseur chassant chaché avec son nez. Regardez lui, il est fou. Oh, comment tu vas? Est-ce que je peux te caresser? Se baisser, dégainer. Non, en fait, je peux que frapper les gens. Je suis vraiment violent en ce jeu. Bonjour, je cherche. Pourquoi personne veut m'aider? Je cherche un monstre et je dois le tuer. Vous savez pas qui c'est? Apparemment, il est jaune et il est cool et il est violent. On va suivre les lucioles, hein. Parce qu'apparemment, il y a que elle qui savent où je dois aller. C'est des putains de GPS. On dirait tellement, on est genre dans Koh Lanta ou un truc comme ça. Sauf que dans Koh Lanta, il n'y a pas de monstre. Et c'est pour ça que c'est moins fun. Oh! Est-ce que c'est lui? Ouah, mec, il est énorme! Et pas en taille, juste en bide. Le gars, il fait genre 30 tonnes. Oh oui, je sais ce que j'ai à faire. T'es foutu, mon mec. Wouhou! T'es foutu! Oh, oh, fuck. Alors, par contre, c'est vraiment la toute première fois que je joue au jeu. Donc, je vais faire du grand n'importe quoi. Non! Tu te seras pas, Timmy! Ah, ça fait mal, ça fait mal. Ok, ok, je peux lui casser les jambes. C'est plutôt cool. Ok, là, je lui fais mal. Il a quoi, le point de vie? Oh, mec, c'est sérieux. Il est trop bon au point de vie. Il faut pas... Il arrête pas de me toucher avec sa queue, putain de pervers. Ok, tout va bien, mes points de vie, en fait là-haut c'est les miens. Genre j'ai beaucoup beaucoup de points de vie, qui savent que c'est un niveau débutant. Et je suis un débutant. Allez, viens te battre. Espèce de lézard hippie. On dirait Bob Marley mais en lézard avec tes dreads. Allez vas-y, esquive, middle kick, high kick, je connais. Allez, toi tu viens avec moi. Yes. On l'avait tombé sur le bide. Hein, c'est là que tu regrettes d'avoir séché les cours de sport, espèce de bolos. Allez, je te défonce. Prends ça dans ta tête là. Ah merde, non, oh putain. En vrai je suis putain de violent en ce jeu. Mais je sais réellement pas ce que je fais. Ah, il m'a raté avec ses glyphes. Attends, normalement il y a une technique pour monter dessus et pour essayer de l'attaquer une fois qu'on est dessus, mais je sais pas comment on fait. Oh, mec, j'ai ma méga épée. Ah, mais arrête. C'est bon, je t'ai rien fait. Tu pures, retourne chez le dentiste. Les meilleurs punchlines avec Rayton. Attends, vas-y, barre-toi. Là, je prends cher. Je vois même plus où je suis. Yes, il est retombé par terre. On m'attaque, j'ai l'impression genre je peux. Oh, la violence est parmi nous. Attends, est-ce que je vais. J'ai bientôt réussi à le tuer là. En fait, je vous avoue, j'ai pas vraiment de stratégie, je clique sur tous les boutons. Et moi, je m'appelle Larry, la petite bête, qui va manger la grosse bête. Et Timmy, je vois vraiment pas à quoi il sert, il est juste là en train d'attendre et en train de m'encourager. C'est une pom-pom girl, Timmy. T'es mon repas de ce soir. J'espère que t'es. Aïe, t'es équilibré. J'espère que t'es bio et sans gluten. Prends une petite potion. Ah merde, il m'a vu. J'avais cru qu'il a arrêté de m'attaquer parce qu'il est comme un con. Il s'enfuit. Tu retourneras jamais dans ton. Aïe. J'ai voulu faire un truc stylé, lui monter sur le dos, mais ça marche pas. Reviens. Tu ne t'enfuiras pas comme ça. Dans la patte. Et ouais petit, tu te dandines comme une sardine. Mais moi je te défonce. Il s'enfuira pas comme ça. Là il s'enfuit en mode oh là là je suis le gros monstre. Mais hors de question. Reviens. T'es à moi. Ah déjà je peux faire un truc stylé là. Oui. Wouhou. J'ai voulu faire genre comme Tarzan et genre prendre une liane. Mais apparemment. Attends, il va dans sa grotte. Oh, on visite sa maison. Elle est nulle ta maison. Y'a même pas de babyfoot. Et ouais je suis venu chez toi et j'ai même pas pris de carton d'invitation. Aïe. Tintin. Et ouais.
T'es mort. C'est quoi ça? Ah! Oh, oh, oh! Ok, il se passe quoi? Il se passe quoi? Ils veulent quoi, eux? J'ai pas de chocobon. Ok, c'est parti. Oh putain, j'ai super peur. Quête réussie! Oh, j'ai dû même donner une saucisse à mon petit chat, là. Mon palico. On va faire la deuxième quête. C'est une quête un peu plus difficile, apparemment, mais j'ai vraiment envie de la tester. Est-ce que, genre, j'ai d'autres armes? Ok, on va prendre celle-là. C'est le rocher d'obéissance. C'est un énorme gourdin. C'est aussi mon nom d'acteur porno. Le gourdin. Terreur dans le désert des termites. Cherche ce qu'il a pu laisser derrière lui. Putain, j'espère qu'il a pas laissé des excréments. Tu vois, c'est cool d'être un chasseur. Mais toute la journée, renifler par terre, au bout d'un moment, ça démonte le moral. Il est énorme. Il y en a deux comme ça. Est-ce que c'est eux que je l'ai tué? Non, ils ont l'air gentils. Est-ce qu'ils sont gentils? Ouais, ils ont l'air gentils. Regardez, là, ils se battent en troupeau, ils sont trop contents. Wouhou! C'est trop calme. Beaucoup trop calme. Ah. What? En gros, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. Genre, en gros, il y avait une grenouille par terre, je l'ai frappée, et après, elle a craché son venin sur moi et ça m'a paralysé. Pourquoi je l'ai frappée? Est-ce que je peux vraiment frapper, genre, tous les animaux que je croise? Je suis vraiment un bâtard, en fait. Il y a une grotte, là. La grotte, c'est toujours l'endroit où on trouve les monstres. J'ai pas envie d'aller dans la grotte. Je sais que c'est pas du tout l'endroit où il faut aller. Monsieur le monstre, vous êtes là? Fuck, j'espère juste qu'il va répondre non. Pourquoi c'est flou d'un coup? Je cherche un monstre qui est genre énorme et qui veut me tuer. Personne l'a vu, sérieusement? Cet endroit est immense. Mais pas autant que mon gourdin. Ok, vu la taille de ses traces, je pense qu'on va vraiment avoir du mal à pas le trouver. Parce qu'il est énorme. Le mec, il fait la taille de la carte. Comment on peut pas le trouver? Oh, regardez comment c'est beau là par terre. Genre l'eau comme ça. Vous savez quand vous allez dans une station service, il y a de l'essence par terre et genre c'est comme ça, tu vois, genre il y a plein de couleurs. C'est un truc de fou. Ok, peut-être que je suis un peu bizarre, mais je kiffe l'odeur de l'essence. Oh, est-ce qu'il faut que je monte là-haut? Ok, de liane en liane. Je pense qu'il doit être tout en haut, genre il va m'attendre, il va me grogner dessus, je vais tomber, je vais mourir. Fin du jeu. C'était sous ses potes, ça? Genre là par terre, il y a des cadavres et j'ai pas trop envie de savoir pourquoi ils sont là. Est-ce que ce serait pas lui là-bas? Il a bien été à être un monstre que je dois tuer. Oh, c'était lui. Le monstre. Oh putain, c'est pas le monstre du Loch Ness, mais on va quand même essayer de le tuer. Et... bon. C'est pour ça que j'ai réussi à le tuer. Ah! Merde! Il me voit pas ou quoi? Genre, je suis pas assez bien pour lui. Je suis pas un assez bon prédateur. BOUM! Gros gourdin, t'as que j'ai pas pris la meilleure arme pour essayer de tuer ce monstre. Ah, oh, il a un énorme front. Ah, il va me faire une frontale. Ah! Ok. Non, non. Ok. Putain, il fait bien plus mal que celui d'avant. Ok, donc faut vraiment pas que je me mette à côté de lui. Faut vraiment que je me mette derrière lui, que je frappe sa queue. C'est un peu pervers, mais ça passe. Aïe, même sa queue, elle me fait mal. Oh, ok, toi bien. Toi mal. Non. Désolé, monsieur, je voulais pas vous déranger. Je voulais juste vous vendre un porte-clés. Oh, fuck, attends. Allez, il faut que je boive. Mec, t'as un sérieux problème. T'es que c'est moi qui suis juste nul à ce jeu, hein. Mais il me fait super mal. En fait, j'aime pas du tout l'arme que j'ai prise pour essayer de le tuer. Elle est trop grosse, elle est trop lourde. Et j'arriverai jamais à tuer quelqu'un avec ça. Oh non. Ok, faut pas avoir peur, on déstresse. Ok, c'est bon, toi bien. On a Timmy qui nous aide. Mon Timmy sert un peu à rien, mais au moins il nous aide. What? Pourquoi des mouettes qui le suivent? C'est quoi ce jeu? Ah bonjour, on se connaît? Mais pourquoi il va là-bas? Reviens! Bah voilà, du coup je dois descendre. Oh là, il me force à faire des folies. Regardez-le là-bas, il se met bien. Il est en train de chanter une petite chanson de Britney Spears. Et moi je l'ai vu. Je commence à mieux gérer, mais c'est pas encore ça, j'arrive pas. Je fais beaucoup de dégâts par contre là. Oh oui! Bien dans tes tétons. Pourquoi à chaque fois que tout va bien, je commence à faire un truc et après tout va mal? Ok, là il fait la locomotive. C'est une technique très connue de cette race de je sais même pas ce que c'est, un moineau enfoiré. Ok, il s'enfuit. Peut-être que je vais gagner finalement. Peut-être pas. Yes! Il fait une sieste. Pourquoi il bave partout? Il est quand même en con, il le fait exprès. Oh merde, je suis coincé. C'est une technique ça aussi. Mais ça me nique surtout. Parce que c'est une technique. Reviens! Il continue à s'enfuir. C'est quoi ton putain de problème? Oh putain, il va vite. Il va trop vite. C'est Speedy Gonzales, motherfucker. La zone est super belle, mais c'est pas le moment de manger des Babybel. C'est quoi ça? What the fuck? Est-ce qu'ils vont se battre entre eux? Ou est-ce que tout le monde m'attaque que moi? Et pourquoi lui, il a un putain de bateau et pas moi? Ce jeu, c'est n'importe quoi. What the fuck? Merde! Ils sont quoi, ils m'en fous? C'est comme ça qu'ils font l'amour ici. Ok, c'est le bon moment. Vu que là, ils sont tous les deux occupés, j'ai le temps d'attaquer par derrière. Moi, je suis comme une petite termite qui attaque. Oh fuck. C'est le monstre le plus épique que j'ai jamais battu. C'est aussi le seul. M'attaque pas. Oh non, il fait son truc là où il fait sa putain de locomotive. Reviens! Tu sais pas qui je suis! Roi de Raytonia! Aïe! Je suis la petite bête. Ok, locomotive. Ça, j'aime bien quand il fait la locomotive parce que c'est trop simple à esquiver. Ok, là, il sait pas où je suis. Et je suis derrière lui! Ok, là, il fait le fou. C'est tellement beau comme zone. Genre, j'adore le coucher de soleil et tout, ça fait tellement épique. Oh, porc épique!
Je sais pas ce que je fais. Je lui frappe dans le cul. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il va mourir? Oh, j'aimerais bien, parce que là, ça fait genre une heure qu'on tape. J'exterminerai tous les titans et tous les monstres en même temps. Allez. Ah! C'est quoi, toi? Oh, le poisson chat. Je l'avais quand même en zappé. Ok, faut pas que je me batte contre lui. J'ai pas le temps. J'ai clairement pas le temps. Oh putain, il se renfuit dans sa grotte. On n'est pas en train de jouer à cache-cache. On se bat contre des monstres, putain. Oh, j'adore comment je cours. J'ai appris 6 saucisses. Un chat qui marche. C'est ouf. C'est gros minet. Clairement, y a plus de gentillesse entre nous. On est plus potes. Enfin, on l'a jamais vraiment été. Mais en tout cas, là, on est vraiment plus potes. Aïe, fuck. Aïe, aïe. Vas-y, fais-moi ta locomotive, ta poco loco. Moi, j'ai pas le temps pour toi. Miamo. Mange ta mère. What? Pourquoi il frappe contre le sol? T'es pas une autruche. Faut que je me dépêche. Quand il est à terre, c'est le meilleur moment. Parce qu'en fait, il peut vraiment plus rien faire. Faut juste que je le frappe le plus fort possible. Oh oui, ça fait mal. Je suis vraiment trop con. Mais j'adore ça. C'est le plus gros sprint de ma vie là actuellement. Merde, il s'enfuit encore. J'en ai marre. Pourquoi tu te barres? Je pense que là, c'est la bonne. C'est la bonne. Oui, il se cache. Et c'est la dernière. Bim. Oh merde, c'est pas sa tête. C'était un autre endroit. Attends, là, il souffre. Il souffre tellement. Je vais abréger tes souffrances après t'avoir défoncé la gueule. Quoi? Je l'ai pas tué parce que j'avais pas assez de temps. Cette fois-ci, il va pas s'en sortir aussi facilement. J'ai des nouvelles armes. Le truc, c'est qu'en fait, avant, j'utilisais des armes genre la grosse. Masse, genre c'était pas bien pour ce boss. Je pense que lui il faut beaucoup de mobilité. Et pour avoir beaucoup de mobilité, il faut des katanas. Wouhou! Non, ça fait mal, waouh. Et ouais, maintenant c'est la fin. Je vais essayer de le rush, je vais essayer de comment le détruire, le broyer, l'exterminer. Regardez comment je fais de dégâts. Et maintenant puisque je le connais, je sais comment esquiver, je connais ses patterns. Je pense qu'il devrait le faire. Oh oui. Oh, ah, que vous avez vu. C'était genre le duc. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'était tellement cool. J'ai mis, genre là clairement je suis monté sa queue et je lui ai expliqué c'était qui le boss. C'est tellement épique. Oh, c'est tellement mieux qu'avant en fait. J'adore les dagues. Dague égale bonheur pour Rayton. Bon, après le bonheur il est pas partagé parce que lui il aime pas du tout les dagues. Je te réduirai en sushi et en nuggets en même temps. Il est tombé, il est tellement 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 tombé, il est tombé, 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 tombé. Oh, on est dans l'endroit super cool tout à l'heure là où il s'est battu contre une anguille géante. C'est tellement le meilleur endroit, on est d'accord. Ok, je vais là-haut, je vais là-haut. Est-ce qu'il va venir là-haut? Ça pourrait être cool. Attends, je vais essayer de sauter sur lui. Et non. Et un peu trop loin. Oh, je vais couper sa queue. Ok, il pourra plus jamais se masturber. Oh putain, je vais couper sa queue, je vais couper sa queue. C'est tellement bien, c'est tellement bien, c'est tellement bien, c'est tellement meilleur moment de ma vie. Rien à foutre de ce que les gens diront, je suis un génie. Larry, la petite bête, chasse la grosse. Et c'est barré loin. Hein. Il est vraiment très rapide pour quelqu'un qui est lent. Eh hey, bonjour. Eh, hey, tu te souviens de moi? On s'est déjà vu tout à l'heure. Je t'avais bien défoncé. Ah, t'as plus de queue, oh, c'est dommage. Tu peux me frapper. Ah si, il peut quand même me frapper avec le bout de la queue. Oh, dommage. Personne ne te regrettera, t'avais même pas un ami sur Facebook. Toi, t'es moins stylé par contre. Parce que t'es moche. Oh, je vais casser ses cornes. T'as qu'à manger des cornflex. Ah. Oh, il se rebat contre l'autre. Non, 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 non. Tu vas pas t'enfuir. Tu vas pas t'enfuir. Yes. Wouhou. Yes. On a gagné. Oh putain, oh, il nous restait 20 secondes. J'ai cru vraiment qu'on n'allait pas réussir parce que là, j'étais vraiment à fond. Quête réussite. C'est ça que je voulais entendre. Bon, bah tout le monde, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette première vidéo sur Monster Hunter World. J'étais ultra happy pour la faire, j'espère que vous avez aimé la regarder. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse le dernier boss de la bêta. Parce qu'il reste encore un boss à faire, mais apparemment il est vraiment très difficile. Mais si vous voulez qu'on le fasse dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas de mettre un méga pouce bleu. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. A plus, mon Starryton. Et ciao.